Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nego. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le jeu Les Montagnes Hallucinées. Ce jeu, à l'époque, avant que je fasse une partie il y a presque un an, vu qu'il est sorti, je crois, soit en fin de l'année dernière, soit en début de cette année, je mettais des réserves, parce que c'est l'univers qui touche à H.P. Lovecraft et les éditeurs, les écrivains du genre. Et j'avais peur que ce soit le jeu de trop. Un jour, j'ai eu l'occasion, aux couleurs du jeu, lors d'une des soirées, de le tester vu qu'il l'avait déballé. J'ai été plutôt surpris que pour moi le jeu était très intéressant. Le fait que l'on attrape des folies, ou bien que l'on se répartisse les folies en fonction de qui pioche tel type de folie. Et en plus, on doit interpréter la folie. Exemple, il se peut qu'on soit obligé de tout nier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que quelqu'un vous demande s'il a l'objet, vous lui faites « T'inquiète, je gère », alors que vous n'avez même pas les objets qui sont demandés. Ou alors de chanter que vous avez le matériel, ou alors, autre type de folie, vous ne pouvez pas prononcer le nom du matériel qui est demandé. Ainsi de suite, j'en passais des meilleurs. On avait beaucoup ri. Et ce qui fait que le jeu m'a paru passionnant, contrairement à ce que j'avais vu. Alors, qui, quoi ou comment? Alors, qui? Rob Davio est le créateur. Pour une fois, je suis content. L'illustrateur est noté. Donc, c'est Miguel Coimbra. Pour des parties de 2. De rectification de 3 à 5 joueurs. 12 ans et plus. 60 minutes de jeu, et bien sûr, l'éditeur est Yallo. Sans plus attendre, hop là, je fais sauter la petite pellicule plastique. Quoi de mieux que d'être perdu dans une montagne et d'essayer de trouver sa survie? C'est un peu l'histoire de ce jeu, car il faudra réussir à partir en avion. Et je pense que si c'est comme du HP Lovecraft, je pense que si l'un des joueurs venait à mourir, pour moi, la partie s'arrêterait. Donc c'est du coopératif. Et honnêtement, voilà les illustrations. Comme je vous le disais, le nom de l'auteur et l'illustrateur qui est noté là. Ça, j'aime bien. J'adore l'image que l'on en a. Déjà, ça... ça donne un bon côté à l'aventure. Voilà. Ici, nous avons donc le petit livret de règles. Pour une fois, j'ai mis les dessus. La liste de tout le matériel. Le but et un aperçu du jeu. Donc, en plus, il y a une partie, je dirais, de la mise en place. Les éléments du jeu, voilà. Après, le détail de ce qu'est, de ce que sont les dés. Les cartes, la fameuse mise en place, voilà, donc qui paraît très intéressante. Qu'avons-nous? Le déroulement d'une partie. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Pour moi, ça a l'air d'être assez aéré. Il n'y a pas trop de... enfin, il y a un peu de texte, mais pas autant que dans certains jeux. Voilà, la fin de partie. Ceux qui ont testé le jeu aussi, à première vue, des testeurs du jeu. Et puis voilà, donc ce qui aide bien, c'est qu'ils n'ont pas oublié de les féliciter. Ça, c'est un petit point positif. C'est un livret en 16 pages, mais bon, vous retirez certaines pages. Et je pense que en 8 ou pages de lecture, vous avez le jeu. Donc je mets comme d'hab ici... ce qu'on a à l'intérieur. Alors, quoi qu'est-ce donc que ce que nous avons ici? Déjà, un petit plateau d'épanchage. Ça, c'est le plateau de traîneau où vous stockerez certainement les ressources que vous dépenserez. Alors, ceci, ce sont 4 spécimens. Ici, les vertiges que l'on peut acquérir. Et ceci, les connaissances.
Bon. Bon, je dépunch pas tout, mais vous avez vu, ça se dépunch assez facilement. Deuxième bon point. Ah oui, un bon dépunchage où on n'abîme pas le matériel, c'est franchement l'éclate. Nous avons, tant qu'à faire, le petit plateau de jeu. Voilà. À l'endroit. Comme ceci. Donc, il dépasse un tout petit peu de ma petite table, mais normalement, il tiendrait sur ma table. Donc, c'est déjà un bon point de plus. Voilà pour avoir un petit aperçu. Sans monter trop loin, voilà, vous voyez, hop. Déplié, vous avez tout ça. Hop là, voilà. Voilà, mettons-le comme ceci. Qu'avons-nous d'autre? Hop là, que je fasse pas tout tomber. Voilà. Alors, maintenant, je change de côté. Alors, tout d'abord, des jetons. Alors, qui sont des jetons leadership. On peut les dépenser en cours de partie pour peut-être faire retarder les échéances. Oui, pour l'escalade. Voilà. Je crois que par palier, on les récupère. Ça fait penser à des poker chips. Donc, c'est la taille de poker chips. Voilà. Très belle qualité de matériel pour ceci. Un petit détail, ils ont pensé à vous faire un petit insert généralisé. Donc, je vais plutôt laisser là. Le dé où vous aurez diverses petites choses. Ça, je suis beau d'or que ça va s'appeler les folies. Que je regarde bien. Voilà. Alors qu'avons-nous donc? Là, c'est les pertes de morale. Voilà. Et en plus, c'est incrusté, c'est un dé plastique. De la confusion. C'est des petits points d'interrogation pour pourrait penser à des serpents. Et les derniers, ce sont des accidents. Et en plus, sur le côté, je pense que vous avez ce qui correspond ici. Hop, je remets un petit coup vite fait. Là, vous voyez. Je pense qu'à chaque fois que vous lancerez le dé, vous récupérez des choses là-dedans. C'est bien ça, les blessures. Ici, tant qu'à faire. Ici, nous avons la pioche de l'équipement ésotérique. Et là, les reliques qui peuvent aider durant le jeu. Après, qu'avons-nous? Les plateaux de joueurs. Voilà. Ah, il y a un explorateur sur chaque face. Un résumé des phases de jeu sur chaque plateau de jeu. Et ils ont fait à première vue autant d'hommes que de femmes. La parité, c'est quand même sympathique. Voilà. Voilà. Et voilà. Là. En dessous, nous avons deux petits jeux de cartes que voici. Ici, nous avons un sablier parce qu'il y a des moments où nous serons obligés d'avoir l'utilisation du temps pour savoir ce que l'on décide de faire. Ici, nous aurons le petit rangement certainement par rapport à la petite plaquette qui est là pour tout stocker là. Donc le dé, je vais le remettre à sa place. Ici, nous aurons donc toutes les cases que nous mettrons sur le plateau. Là, la cité, la montagne, la côte, vous les avez là. Ici. Encore de la côte, donc deux paquets de côte. De la cité. Et je pense que nous avons aussi de la montagne. Donc, hop là. Bien sûr, vous les mettrez toutes face cachée et vous devrez faire que votre chemin. Un exemple de petite tuile. Moi, je trouve franchement le design très joli, quoi. Voilà. Hop là, je vais poser ça à côté. Là, c'est pareil. Nous avons donc que de la cité ou aussi de la montagne. Oui, vous voyez, vous avez aussi de la montagne. Donc, vous pourrez très facilement séparer vos trucs. Donc, pareil. Qu'est-ce qu'indiquerait la cité? Voilà, pour donner un aperçu. Voilà. Pour les fouilles aussi. Hop là. De la côte. Ah, porteur de folie.
J'ai des tulles. Ah, je pensais qu'elles étaient figées. Porteur de folie. Ah, c'est la tulle qui va tout en haut. Nous avons encore ce petit paquet. Ben, très bien, voilà. Tac. Et tac, nous avons de la cité, de la montagne, de la côte. Porteur de folie, voilà. Et là, nous avons au choix les tuiles de fuite. Parce que, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'on s'en va en avion. Et que l'avion est tout en haut de la montagne là-haut. Voilà. Donc, comme vous voyez, à chaque fois, il faudra voir le matériel indiqué sur la tuile. Voici. Et bien sûr, j'avais trouvé ça fort intéressant à l'époque. Où est mon petit truc? Voilà, hop là. Et bien sûr, je vais devoir faire un petit point de colle, à moins que... Non, donc il va falloir que je fasse un petit point de colle. Comme vous voyez, il y a un charmant petit avion. Il faudra que je fasse un petit point de colle parce que... Ils l'ont placé ainsi, mais pendant le voyage, ça a dû se casser. Donc c'est ce qui me gêne un peu. Petite pièce cassée, mais réparable, avec de la colle super forte. On le placera là. Et donc le petit avion qui est très joli. Hop, pour fuir au fur et à mesure des cases et on avancera. Le but étant de sortir du jeu. Donc je repose ça là avec ceci. Ce que j'aime bien, c'est que nous avons la totalité du... L'insert généralisé. Donc, est-ce qu'on a un petit film? Oui, je pense qu'on a un film de protection. Ça a l'air de briller légèrement aussi. Donc là, nous avons les cartes folie. Normalement, si j'ai bonne mémoire, voilà. Avec plusieurs niveaux de folie. Et si vous avez les trois cercles, donc c'est le plus haut niveau que vous poserez là. Le deuxième niveau de folie, qui sont des folies moindres. Et comme c'est un jeu coopératif, bien sûr, vous devrez, comme dirait quelqu'un, partager les folies si par exemple une personne a trop de folies. Parce qu'elle ne peut, personne ne pourra avoir plus de 3 folies à chaque fois. J'avais même pas vu qu'il y avait le petit, qu'il y avait le petit machin pour ouvrir les cartes. Et même là, j'arrive même pas à ouvrir les cartes. Ça y est. Eh ben. Après mon Xème déballage, j'arrive toujours pas à m'y faire à ce truc-là. Voilà, donc comme vous voyez. Donc là, ce sont les reliques. Les cartes d'équipement. Ouh, il y a moult les cartes d'équipement. Me manquerait-il des cartes? C'est ça. Ah, ok. Des cartes blessures. Que vous avez là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce sont des cartes que vous aurez en main en fonction d'eux. Et là, je suis surpris. Me manquerait-il des petites choses? Non, c'est bien ça. Oh, j'ai l'impression qu'il... Non, je dois les avoir quelque part, les petites cartes. Là, j'ai les cartes blessures. Ben, elles sont où ces cartes-là? Ça, c'est les cartes qui vont aller là-haut, derrière ici. Et là, c'est les cartes que l'on défausse. Là, vous avez les dés. C'est pas trop mal expliqué. Par contre, je suis surpris, il me manque un truc. Où sont passées les cartes qui viennent là, normalement? Enfin, il me semblait qu'il y avait des cartes de mémoire. Il n'y a rien de caché là-dedans, des fois, à tout hasard. Non, rien. Bon, ben. Bon, ben, bon, ben, bon, ben. Ouais, ok. Et ces cartes-ci, on les récupère comment? Les cartes où il y a l'œil? Ouais, il y a les cartes reliques, machin, les cartes équipement, les cartes folie. Pioche d'équipement ésotérique. Ok, donc ça doit être certainement dans ces cartes-là qu'on a de l'équipement ésotérique. Je regardais vite fait dans ma. Dans la. Qu'est-ce qu'ils appellent l'équipement ésotérique que je puisse au moins vous présenter les petites cartes qui vont bien.
Donc ça serait là-dedans qu'il y aurait les cartes. Elles correspondraient à quoi? Donc, tac, 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 tac. Est-ce qu'elles n'auraient pas été mises des fois à la fin? Ok, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est les cartes qui ont une valeur de 10. Voilà. Donc, ce sont ces cartes aussi. Voilà, qui ont une valeur de 10. Je savais bien qu'elles étaient. Et on reconnaît bien le signe qui a fait les renommées des jeux de Arkane, la contrée de l'horreur, les demeures de l'épouvante, le signe des anciens et Arkane, le jeu de cartes. Voilà, que vous poserez ici, certainement dans ce sens-là ou face cachée. Voilà. Donc, je trouve quand même que le jeu est vraiment super sympa. De mon point de vue, pour l'avoir testé une fois, j'ai vraiment adoré l'aventure et puis aussi le côté d'incarner des folies. Et là, je peux vous assurer que c'est pas évident parce que quand on y avait joué avec Typhoon, mon commanditaire Sophie et moi-même, on avait fait une partie à trois. Quand il a fallu, comme dirait l'autre, faire les dites folies. En chant, c'était pas évident. On a souvent rigolé plus qu'autre chose. Hein. Donc, c'est vraiment. Je le conseille pour son côté un peu jeu d'ambiance. Pour moi, ça a quand même ça a un petit côté jeu d'ambiance. Contrairement à ce que certains pourraient penser. Et que dire de plus? Si ce n'est que. Je finis lamentablement ce petit déballage rapide. On va me dire, tu passes trop de temps sur de la fioriture. Voilà. Pour bien montrer que tout est à sa place dans ce jeu. Ça, et bon, on va le poser par exemple avec les petites cartes ici. Voilà. Vous voyez, nickel. On a aussi le petit traîneau qu'on positionne là. Et ben, tout rentre. C'est vraiment très très bien. Et c'est pas un jeu excessif. Je crois qu'on le trouve aux alentours d'une quarantaine d'euros. Je dis bien aux alentours, hein. J'ai pas dit que c'était une quarantaine d'euros qui coûtait. Voilà, je remets le mode d'emploi. On a un insert, pour moi c'est un petit plus. Et j'avoue que ben si vous êtes fan du style, ça vous changera un peu de des contrées de l'horreur et autres. Mais ne serait-ce que pour l'ambiance qu'il peut dégager, je le trouve vraiment très très fort comme jeu. Voilà. Si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Un commentaire, je répondrai. Et sinon, à bientôt pour la suite de mes aventures. À ciao, bonsoir et bon jeu à tous.